press conference held this Saturday, June 12, 2021, Sinosteel, a Chinese subsidiary signatory to the Kirribi iron ore mining agreement, has provided details and denial of the allegation by opposition politicians who conveyed information that this exploitation would be nothing more than a sellout of the country's basement. En culture, le chef suprême de l'IMBE intronisé, Sa Majesté John Elufa Manga Williams, a été officiellement présenté au public de l'IMBE. Au cours de cette cérémonie, y ont pris part les chefs traditionnels, le ministre de l'administration territoriale, représentant personnel du Premier ministre et bien d'autres invités. Clap to the end of the 18th edition of the International Cycling Tour of Cameroon. The yellow jersey escapes the home soil. Moïse Mogisha of Team Rwanda succeeds Clovis Kamsong Abosolo with the title of the yellow jersey in the general classification. This was during the closing ceremony this Sunday, June 12, 2022, that saw the arrival of the Camtel Club in Yaoundé in the presence of the Minister of Sport and Physical Education, Nasis Mole Kombi. Those were our lead stories. We shall be right back. La société Sinosteel, filiale chinoise, a au cours d'une conférence de presse tenue en fin de semaine apporté des démentis sur les allégations de certains hommes politiques de l'opposition. Selon les dires de ces individus, cette exploitation serait ni plus ni moins qu'une braderie de notre sous-sol. Chantal Yao. C'est une conférence qui s'apparente à un droit de réponse aux allégations d'une certaine opinion qui s'est tenue cette fin de semaine. L'entreprise Sinosteel, signataire de la convention d'exploitation de fer de Cameroun, vient mettre l'État du Cameroun et Sinosteel ont signé la convention minière pour cette exploitation. Au moment où nous pensions qu'on devait féliciter l'État pour avoir signé la meilleure convention qui puisse exister, parce que l'État, cette convention a respecté toutes les dispositions de la loi du code minier sans incitation. Il n'y a pas eu de faveur. Et même l'État a demandé d'autres choses qui n'étaient pas dans la loi que Sinosteel a accepté, dont l'État était confortable pour dire que j'ai défendu les intérêts de l'État. On a été content à la signature de cette convention qui a duré 7 ans de processus de négociation. Et ce jour-là, le 6 mai, on a été content seulement le 6 mai. À partir du 7 mai, il y a eu une campagne de mensonges. Une convention qui respecte les dispositions de la loi du code minier, contrairement à ce que laissent entendre certaines voix recrutées dans l'opposition qui font une lecture erronée autant des gains annuels après exploitation de leur durée que des dispositions sociales en faveur des populations riveraines. Le prix de fer, de concentré de fer à 62%, tout le monde peut entrer dans le net au 12 mai, parce qu'il n'est pas vu aujourd'hui. Au 12 mai, le prix était à 130 dollars la tonne. Si tu prends le dollar à 550 francs CFA, tu as un chiffre de 71 500 francs CFA la tonne de concentré de fer à 62%. Mais les gens... La présence des autorités administratives, du département, des chefs traditionnels, des représentants des populations locales atteste bien de la légitimité du projet et de l'entreprise filiale locale de la société chinoise. En effet, l'exploitation aura pour premier bénéficiaire les populations riveraines. Je dois d'abord remercier l'initiative qui a été prise par la communication de Sinosteel pour venir éclairer la lanterne des populations locales qui sont des potentiels acteurs du développement local. 25 milliards de recettes auxquelles s'ajoutent au moins 5 milliards de contenu local par an, soit plus de 30 milliards de gains pour l'État, pour un fer enrichi dont le prix est fixé à l'international. Des précisions qui méritaient d'être dites afin de dissiper tout malentendu.
Dans le département du Mungo, plusieurs projets réalisés ou en cours de réalisation ne satisfont pas les autorités. Face à ces manquements qui ont un impact sur le bien-être des populations, ces entreprises retenues sont appelées à plus d'ardeur et de patriotisme au travail. Apollinaire Kamni. Le constat est clair sur le terrain. Nombreux sont ces ouvrages dont la réalisation connaît des manquements dans plusieurs communes du département du Mungo pour l'exercice 2021. Résultat d'une évaluation faite par le bailleur de fonds, financeur des 10 projets au profit des populations, qui appelle ces entreprises à prendre au sérieux leur travail, dont la bonne exécution viendra contribuer à l'essor économique dans les communes de Lonako, Manjo, Djombe-Penja, Mbanga et Fiko-Bonalea. Aucune entreprise s'attend à une sorte de flexibilité. C'est un mot qui n'existe d'ailleurs pas dans notre jargon. Il est question de procéder par des ajustements nécessaires conformément au cahier des charges. Il y a eu des observations qui avaient été faites en novembre dernier. Et nous avons constaté qu'à ce niveau, justement, ces observations n'ont pas été prises en compte. Il va falloir absolument corriger ce manquement de péage de Mbanga. Il va falloir absolument que l'entreprise revienne reprendre et revoir de fond en comble sa copie. Des observations relevées qui invitent l'exécutif municipal à mieux s'investir dans le suivi de ces différents chantiers engagés et financés par le fonds routier pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Gouvernement de la République, nous disons merci au fonds routier de ce que nous avons bénéficié. Nous allons faire des efforts comme nous avons déjà commencé pour essayer d'entretenir nos routes. Parce qu'ils ont touché du doigt toutes les réalités pour arriver ici, les difficultés que nous avons, qu'ils essayent, nous avons maturé tous les projets qui sont en route. Désormais, il ne reste plus qu'aux entreprises à jouer leur partition avec patriotisme dans la réalisation des ouvrages de qualité pour le grand bonheur des populations dans le département du Mungo. His Royal Majesty John Elufa Manga Williams is now the new Paramount Chief of Limbe. He was presented to the public this Saturday, June 11, 2022, at the Limbe Centenary Stadium during an official coronation ceremony that saw the presence of traditional rulers from across the country, government officials, and the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, as the personal representative of the Prime Minister, Chief Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Guti. We have details of this story with Ghislaine Afo. The new paramount ruler of Limbe, His Royal Majesty John Elufa Manga Williams, was presented to the public Saturday, June 11, 2022. This official administrative coronation ceremony, which took place at the Limbe Centenary Stadium, was heavily attended by traditional rulers from across the country, several government officials. It also saw the presence of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, representing the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Guti. Born in 1965, John Elufa Manga Williams is the nephew of the former Paramount Chief of Limbe, His Royal Majesty Ferguson Bila Manga Williams, who died in July 2005. The new Paramount Chief did his secondary education at Baptist High School Boya and higher education at the Government High School. He is a holder of a degree in public administration from the University of Calabar in Nigeria. He has served as municipal councillor and has worked at the Limbe Urban Council and the Limbe One Council. John Elufa Manga Williams has once served as the president of the youth wing of the CPDM in his constituency and also vice chairman of the Ebenezer Baptist Church down Beach Limbe. Upon his appointment as paramount chief of Limbe on July 11, 2018, after 13 years of the royal seat being vacant, a ministerial order was pronounced on January 13, 2022, making his appointment official. During his public presentation, the new ruler called on the people of Limbe to join efforts with him so as to make the community a great one. Saturday's coronation ceremony was a culmination of week-long activities which started June 8 with cultural dances, wrestling, amongst other traditional rites. The event is seen to be a historic one for natives after the last coronation took place 40 years ago. This coronation ceremony will be crowned by a Thanksgiving service today, Sunday, June 12, 2022, at Ebenezer Baptist Church, Down Beach, Limbe.
religion, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Paul Décanté dans le département du Mungo a accueilli l'évêque du diocèse d'Onkonsamba, Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana ce dimanche de la fête de la Sainte Trinité. Cette visite avait pour but de réconforter et de toucher du doigt les réalités vécues par les paroissiens. Apollinaire Kameni nous en dit plus. C'est dans la joie que le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Paul Décanté, dans le deuxième arrondissement de Nkonsamba, a accueilli Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana, évêque du diocèse éponyme, en faveur de sa visite pastorale ce dimanche 12 juin 2022. Dieu est esprit et cet esprit est un esprit de vérité, de sainteté et de communion. Nous devons donc entrer dans cet esprit trinitaire pour construire nos familles, construire nos confréries et associations, nos communautés, construire notre nation et l'Église. Une visite où le prélat a partagé avec les paroissiens un temps de communion fraternelle, empreinte d'enseignement et de célébration eucharistique, en présence de l'ordinaire des lieux, le Père Jean-Baptiste Simibekwa. La paroisse Saint-Paul Décanté, comme elle est connue, c'est une paroisse dynamique. Dynamique par la générosité et la foi de ses chrétiens. Monseigneur, nous en avions déjà besoin et vous êtes venu à point nommé pour réconforter le peuple de Dieu. Ici, au cours de cette action de grâce, l'évêque Monseigneur Dieudonné Espoir à Tangana a administré le sacrement de confirmation à plusieurs catéchumènes préparés pour la circonstance. À travers cette visite pastorale, Monseigneur l'évêque n'a pas manqué de toucher du doigt les réalités vécues au sein de cette communauté chrétienne à Ekanté, où les paroissiens ont manifesté leur amour dans l'allégresse pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Still in religion, but with this cover shot where the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who doubles as the National President of the Hajj 2022 Commission, has in a press release on Saturday, June 11, 2022, announced that the COVID-19 vaccines are obligatory for all those who want to take part in this year's pilgrimage to Mecca. According to the minister, this requirement is in conformity with the prescriptions from the Saudi Arabian government to limit the spread of COVID-19 virus. He has therefore called on the pilgrims to produce authentic vaccination cards and has, however, warned that anyone with a falsified vaccination card will be excluded with no judicial sanctions. Au basilic, persil et bien d'autres condiments abondent sur les étals. Ceci étant dû au retour des pluies, une situation qui ravit les consommateurs qui peuvent s'en procurer à partir de 25 francs. Chantal Yao et Black Elomo signent le reportage. Dans nos marchés de Yaoundé, les épices fraîches sont de sortie. Les plus en vue sont les condiments. Leur couleur chatoyante et leur senteur sucrée font de ces compagnons culinaires des incontournables, surtout en cette saison de pluie. Les basilic, c'est là normalement, là, si c'est souvent même le paquet à 200. Parce que c'est la saison des pluies. Au côté, 800 le paquet. Il y a même les jours qu'on prend à 1500. C'est les céleri, c'est là que c'est un peu moins cher, mais maintenant, le paquet, c'est 1500, 2000. Il en existe une infinie variété. Les préférés sont exposés, bien en vue pour être très vite emportés. Quel est l'élément qui t'intéresse ? Quand tu regardes les gens qui traversent, ça veut dire combien on est 4000. Regarde. Voici le Mesep. Voilà le Mesep. Voilà le Jom. Voici le persil. Le Mesep, le Jom, le Simenam, c'est pour le porc. Hein?
Les autres, c'est là, c'est pour le poisson, le céleri. De saison ou de contre-saison, ces légumes frais restent très accessibles à toutes les bourses. Un ensemble de feuilles frais que vous pouvez vous offrir à partir de la modique somme de 25 francs CFA. Le mélange varie à partir de 25. Une femme peut venir, elle n'a pas l'argent. Vous savez que c'est dur maintenant. Là. Les temps sont durs. Elle veut le mélange de 25. Tu prends même une petite branche ici, 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 tu donnes. On va faire comme si tu pars au 8e, tu comptes même 7 poivrons à 500, tu viens revendre 6 à 500, tu as un poivron en haut. C'est comme ça qu'on jongle. Voilà, qui ne risque pas de manquer dans nos cuisines parce que très accessible et incontournable pour relever le goût de nos plats. En sport, clap de fin de la 18e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Moïse Mugisha succède à Clovis Camzon à Bossolo avec le titre de maillot jaune au classement général. Le dernier point avec nos envoyés spéciaux qui ont marqué la présence de la chaîne républicaine dans cet événement majeur du vélo. Aimé Mokoko, Tabi Clarkson et Franck Ébéniste. Belle ambiance ici sur le site d'arrivée, le site de clôture de cette 18e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Camdis Télévision, célébré parmi les médias au plus haut lieu. On va dire simplement que c'est une course qui s'achève. On n'a pas le maillot jaune comme en 2020 avec Amazon Clovis à Bessolo, mais Tabi Clarkson, on peut dire qu'il y a de bons points à retenir de cette compétition. Of course, Aimé Mukoko, once again, in terms of organization, we can say organization was perfect. Because we did not see a stage or a lap where athletes actually complained, where members of the caravan actually complained. In terms of organization, we can say bravo to the president of the Cycling Federation. Bravo equally to the Minister of Sports and Physical Education, the Prof. Professor Nasi Samuele Kombi. And we're talking a while ago of Camdis Television. Camdis Television, we are happy. We are happy because we have done a good job. We are happy because we were one of those private media privileged to actually cover this event from start to finish. Aimé Mukoko, I think it has been a good competition. Cameroon did not win, but in terms of organization, we can be happy. And we at Camdis Television, we are proud for what we have done. Voilà, vous avez compris, hein, le journaliste a parlé, le directeur général délégué aussi de Camdis a parlé. Jusqu'à Limbé, Camdis a été applaudi dans la compétition. Vous allez apercevoir de belles images avec le maillot jaune sur les épaules de Mugisha Moïse, le Rwandais. C'est l'homme qui rentre dans l'histoire de cette édition 2022. Mais le Maroc qui a remporté la dernière étape entre Ebolova et Yaoundé. Tout est bien qui finit bien derrière la caméra de notre très cher Franck Ebéniste Guebnan, Aimé Mukoko, Tabi Clarkson pour la chaîne République. Week-end. À la prochaine, certainement, au Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Thank you, Aimé Mukoko, Tabi Clarkson and Frank Ebéniste. Let's now take a listen to some reactions in particular from the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Muele Kombi, the Director General of CRTV, Charles Ndongo, the Director General of Camtel, Judith Achidi, and the President of the Cameroonian Cycling Federation, Honoré Yossi, all satisfied despite the yellow jersey won by the Rwandan Moïse Mugisha, speaking in the following excerpt selected by our special envoy. Very strong, huh? Because every team we can try go attack. Morocco is first one, and the Senegal is first two. But I'm not good for team. I Morocco he come to help me. He found the rest, but not he coming, but. Everyone who go attack, it's my team. We follow every rider. We go in the breakaway. I went to Chantal Bia. This is 2022. I went to Cameroon. I'm very, very happy because I win. I went to Cameroon again in the next year, again to win. I'm very, very satisfied by the outcome of this event. Very well organized, and we are happy as the sponsor, the main sponsor of this competition, that everything is going on so very well. So we seize the opportunity again to thank our First Lady, Mrs. Chantal Biya, who is the marraine of the Cameroon Cycling Federation. And we are very happy that we are here to support the movement. I'm a happy man because
everything went smoothly. We did the whole tour carrying live coverages, and I have to congratulate all the crews, but also all the media, because you did a wonderful job. And I'm very happy, very proud of what all of you have done during this tour. It's the testimony of the very high impetus of the head of state as far as the improvement of the level and the quality of organization of international competition in our country is concerned. Nous sommes à 34 secondes de Mugisha. 34 secondes, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Il faut reconnaître que c'est quand on est tombé sur plus fort que nous. Ce garçon, il est talentueux. On devrait simplement travailler pour atteindre ce type de performance. On ne devrait pas pleurer, dire que bon, ils ont gagné et nous, on est perdants. Non, simplement, on doit imiter le travail qui est fait au Rwanda pour que prochainement, pourquoi pas, plus proche de nous, à Chantal Biya, on puisse gagner le maillot jaune. C'est la leçon que l'encadrement technique camerounais doit tirer. C'est la leçon que la fédération doit tirer. Trouver des moyens pour que l'équipe nationale et cyclistes camerounais puissent avoir beaucoup de qualité pour rivaliser d'adresse avec les cyclistes européens et africains qui séjournent au Cameroun pendant le Tour cycliste du Cameroun ou le Tour Chantal Biya. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'issue de cette compétition internationale. Comme vous le savez, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère des Sports et de l'Éducation physique soutient de manière substantielle de nombreuses compétitions internationales. En termes de préparation de nos athlètes à la participation de ces compétitions, en termes d'organisation de ces compétitions. Toujours en sport, parlons de golf. 1 million de francs CFA collectés par l'association caritative Les Mariannes au bénéfice d'une école située non loin du club golf de Yaoundé. La collecte s'est faite au cours de la clôture du tournoi baptisé la Coupe des Ambassadeurs in Open Amateur à l'initiative de l'association sportive de golf des agents de l'ambassade de France au Cameroun. Inès Eyunga, Samuel Bonis y ont pris part leur reportage. La Coupe des ambassadeurs a connu un franc succès. Ils étaient 20 golfeurs, membres du corps diplomatique, à se mesurer au parcours du Golf Club de Yaoundé. Il s'agissait d'un Open amateur à l'initiative de l'association sportive de golf des agents de l'ambassade de France au Cameroun. C'est un appui des autorités camerounaises à cette belle compétition qui est un événement qui a trois aspects. C'est d'abord un événement sportif, puisque c'est une compétition de golf qui a réuni hier et aujourd'hui plus de 60 golfeurs amateurs qui ont concouru ensemble à l'occasion d'une compétition en match play pour déterminer qui de deux équipes sera la meilleure, les deux équipes étant le Cameroun contre l'équipe du reste du monde. Donc le suspense pour l'instant est intégral, on saura tout à l'heure laquelle de ces deux équipes a gagné. Deuxième aspect à cette compétition, c'est une compétition qui bénéficie d'un événement social, comme aujourd'hui, avec un déjeuner qui rassemble une vingtaine d'ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants des organisations internationales, ainsi que des opérateurs économiques et culturels de première importance autour d'un événement sportif pour la remise de la Coupe des ambassadeurs. Un tournoi qui a tout de même réuni des anciens joueurs dans le but de collecter des fonds pour l'association des Mariannes au bénéfice d'une école située non loin du parcours. C'est un aspect caritatif et c'est sans doute le plus important parce que grâce à cette compétition, nous accompagnons une école qui se trouve dans le quartier de Bankolo. Bankolo, c'est le quartier qui est riverain du golf club de Yaoundé et qui et d'où viennent la plupart des gens qui travaillent dans ce golf, que ce soit comme jardinier, que ce soit comme cadet, que ce soit comme enseignant de golf, caddie master, enfin beaucoup de professionnels du golf proviennent du quartier de Bankolo et c'est une manière pour nous, pour le comité d'organisation,
de les accompagner et de les remercier. Et donc, à l'occasion de cette compétition, nous avons réuni, je l'espère, on n'a pas encore le chiffre puisque la tombola est toujours en cours, on a réuni un peu plus d'un million de francs pour aider la petite école qui se trouve à Bankolo. Une journée favorable pour les représentants diplomatiques en service au Cameroun qui ont pu apprendre des techniques et profiter de l'expérience des professionnels sur la pratique du golf. Que Yaoundé bénéficie de ce qu'on peut qualifier de joyau du golf, c'est le Golf Club de Yaoundé, ce parcours qui s'étend sur près de 60 hectares et qui est, je vous le dis en tant que vieux golfeur, une des merveilles golfiques de ce continent. Et donc, comment accompagner le golf, comment l'aider, sinon en organisant des événements comme celui d'aujourd'hui, qui est cette Coupe des Ambassadeurs. Notre objectif, c'est de créer un événement qui soit annuel, c'est-à-dire que l'an prochain, la Coupe des Ambassadeurs, quel que soit le vainqueur, sera remise en jeu avec une nouvelle compétition qu'on espère ouvrir davantage en faisant un open pour les professionnels. Et parce que là, aujourd'hui et hier, on concourut uniquement des amateurs. Donc le prochain objectif, l'an prochain, on fera également un open international pour les professionnels. Voir tous ces visages souriants autour d'un terrain de golf ne fait que rappeler qu'après un passage sur un terrain, on y reste attaché. Les participants et leurs familles ont été conviés dans la pure tradition du tournoi à une réception offerte par le parrain, suivie d'une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs. Une première édition plutôt réussie malgré les intempéries du climat. Let's now take you out of the country where the head of Mali's transitional military government created on the night of Friday, June 10, 2022, a body in charge of writing a new constitution. Colonel Assimi Goïta announced that he will be in charge of choosing the members of this committee. We have this story and more compiled by Chris Temfo. The leader of Mali's military transitional government created on Friday night a body in charge of writing a new constitution. Colonel Assimi Goïta will be in charge of choosing the members of this committee, who will have to present to him a draft version of the text in 2 months. The team will include a president, 2 rapporteurs and experts. It will be able to consult all political parties and the civil society, including religious organizations and traditional authorities. This presidential decree has already been published in the official journal. The West African country is facing sanctions from its regional partners of the ECOWAS as it did not meet the deadline for elections to be held by the end of February this year. In DRC, King Philip of Belgium's last stop of his 6-day visit to the DRC is in Bukavu, in the eastern South Kivu province. Residents have been asked by authorities to repaint their houses and close some of their shops along the Sovereign Road, measures denounced by some locals. As some of them say that, it's not a bad idea to paint the houses, but the whole town is in panic because vendors on the King's Road are being told they must not work on the day he comes. According to them, even if the King comes, they also need to walk to find food. The mayor also banned motorized traffic on certain routes in order to facilitate the royal couple's mobility. Out of Africa, China has vowed to fight to the very end to stop Taiwanese independence and warned that foreign interference in Taiwan is doomed to fail, stoking already soaring tensions with the United States over the self-ruled island. In a fiery response to U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, who spoke on Saturday, Wei said no one should ever underestimate the resolve and ability of the Chinese armed forces to safeguard its territorial integrity. The superpowers are locked in a growing war of words over the self-ruled democratic island, which Beijing views as part of its territory, awaiting reunification. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our 8 p.m. Balingua News over the Republican Television. Thanks for staying with us. Betty Blanche, au revoir. Au revoir, Géraldine. Quant à vos chers téléspectateurs, restez en compagnie de nos programmes. À partir de demain, retrouvez Claude Maillot pour le journal de 20h. D'ici là, portez-vous bien.